Une attention particulière pour tous les élèves qui retournent à l'école, au collège, bien sûr aussi au lycée. Et puis aussi un petit clin d'œil à tous les bénévoles qui se sont mobilisés tout au long de l'été pour qu'en Aveyron, partout, beaucoup de choses se passent. J'ai fait le maximum de manifestations, mais évidemment une infime proportion par rapport à tout ce qui a été proposé dans chaque village, dans chaque commune et bien sûr dans nos villes, et qui a fait vibrer l'Aveyron et les Aveyronnais au son de la culture, au son de la musique, au son de la fête. Et malgré une météo un peu capricieuse, et surtout le week-end d'ailleurs, je pense que le succès a été au rendez-vous partout, et que tout le monde a donné le meilleur pour qu'on passe de beaux moments en cette saison estivale en Aveyron. Donc un grand merci à tous ceux qui ont permis que ça se passe. Bravo aux organisateurs, merci aussi aux participants. Et puis ces quelques images sont des images d'instants de bonheur partagés, parce que la marque de fabrique de l'été et des fêtes en Aveyron, c'est la convivialité, la dimension familiale. Et le fait qu'il y a des valeurs humaines qui se propagent lorsqu'on est ensemble.